Eh bien, salut à tous les gars, c'est le GamerFG. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série Partir de Rien, pardon. Pour l'épisode 23, comme vous avez pu voir dans le off, on a pressé, on a ramassé les bottes. Elles sont dans le hangar, tout est rangé. J'ai vendu un peu de bottes d'or ébanées. Là, actuellement, nous sommes à plus de 381 000 euros parce que j'ai vendu les silos dans ce village. La production, on la place aujourd'hui. On fait de l'épandage de lisier, plein de trucs, vous allez voir. On se retrouve juste après l'intro. A tout de suite. Donc voilà, donc tout d'abord on va parler des défis. Comme défi, on a réussi les 4 défis, donc avoir les vaches avant l'épisode 40, avoir 40 vaches avant l'épisode 20, avoir 10 hectares avant l'épisode 25, avoir 550 chevaux avant l'épisode 30, et avoir un télescopique avant l'épisode 35. Maintenant il nous reste à accomplir comme défi, il nous en reste plus que 3. Faut que j'essaye d'en trouver des nouveaux, je réfléchis chaque semaine, chaque jour. Avoir une production avant l'épisode 40. La production, on l'aura aujourd'hui du coup, normalement. Avoir 3 tracteurs de plus de 200 chevaux. On en a 2, il nous en manque 1 avant l'épisode 65. Avoir une moissonneuse, pardon, avant l'épisode 70. Ça, pour l'instant, bon. Moissonneuse, ça peut arriver bientôt, on sait pas. Mais pour l'instant, c'est pas encore trop... Voilà. Donc comme vous pouvez voir ici juste sur mon écran, vous voyez bien que ici il n'y a plus les silos d'ensilage. Silos d'ensilage, j'ai décidé de les enlever parce que je me suis dit qu'on fera peut-être pas d'ensilage à vrac. Et puis même si on en rajoutait, là franchement l'usine elle va prendre que cette place. Elle va prendre beaucoup de place. De toute façon on va la placer maintenant là tout de suite. Donc voilà, c'est une usine à huile. On va faire de l'huile. De base je voulais faire des serres mais je me suis dit est-ce que les serres c'est vraiment rentable. Là on va faire de l'huile. Voilà, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. On va la placer direct, 80 000 euros. Hop,
Est-ce que nous sommes bons? Normalement, elle est... Ouais, elle est pas mal. Maintenant, on va regarder un peu les productions que ça fait. Parce que je ne les connais pas. Ok. Ah oui. Ok. Là, on a du soja, donc si on veut, on peut la démarrer tout de suite, en fait. Ah ouais, on va faire ça. On va la démarrer direct, vous savez quoi? Hop. Quel tracteur il est prêt à prendre? Oh, allez, hop. On va se prendre le petit 900. Hop. C'est parti. Donc ouais, voilà, j'espère que vous allez bien tout d'abord, parce que j'ai directement commencé dans tout ce qui est défi, etc. Mais j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Voilà, je vais sur ma dernière semaine de cours. À ce moment où vous voyez cette vidéo-là, pardon, je suis à ma dernière semaine de cours. Et puis après, j'ai un mois et demi de stage qui suit derrière. Et après, bah, je suis en vacances, quoi. Donc là, les vidéos, surtout les lives vont revenir. Des abonnés m'ont contacté en privé sur Discord. Je leur ai dit que les lives revenaient à partir du... Si je me trompe pas, du 7 juin peut-être. 7 juin au soir. Donc actuellement, là, vous voyez cette vidéo. On est le 5 juin peut-être. Et le 7 juin, il y aura peut-être un live. Donc soyez au rendez-vous. Mettez la petite cloche, le petit abonnement, le petit like. Tout ça, ça ferait extrêmement plaisir. Voilà, là, je remplis. Et on va faire de l'huile de soja. Je savais pas que ça existait, mais du coup, ça doit exister. L'huile de maïs, maïs grain, du coup. L'huile d'olive, ça on connaît. Des oliviers, peut-être plus tard à réfléchir. L'huile de colza et l'huile de tournesol. Donc en dessous, vous serez affiché les défis, plus celui qu'on a réussi du coup, avoir une production avant l'épisode 40. On va beaucoup vite, on va très vite dans les défis, mais là c'est les défis les plus durs qui commencent à arriver. Avoir le tracteur, etc., etc. Vous allez voir que ça commence à être plus compliqué. Je vais essayer de trouver des nouveaux défis. J'essaie de réfléchir. J'essaie de demander aussi. Aux gens qui me regardent, vous-même, si vous en avez, mettez dans les commentaires parce que les gens m'ont dit qu'ils étaient faciles. Et pour l'instant, j'ai aucune personne qui m'a donné de défi. Donc si vous me dites que c'est facile, je veux bien comprendre. Mais si par derrière, vous ne me donnez pas d'idées concrètes, bah moi, je ne peux pas spécialement suivre vos idées. Donc voilà. Dans cette vidéo, du coup, ouais, comme je disais, il y aura l'épandage de lisier sur tous les champs. Clairement, on a plus de 200 000 litres de lisier. Je vais pas vous mentir, on va le liquider sur les champs. 211 000 litres. On a du fumier. Après, je me tâte, est-ce qu'on achète l'épandeur à lisier ou on le loue? On a l'argent de se l'acheter, mais est-ce qu'on va en faire souvent? Je pense pas. On va lancer la production. Et là, c'est parti, hein. Et là, on va laisser produire le temps que bah, nous, on travaille autre part. Le lait, ça avance. Les vaches, on a eu la première reproduction de vaches pendant l'accéléré de la dernière fois. Bah pendant le off de cet épisode, pardon, on a eu la première reproduction de vaches. Donc voilà. Il y a 150 places dans l'enclos. Une fois que les deuxièmes vaches là, elles seront arrivées par exemple à 80% de reproduction. Elles sont re à 10. Ou celle-là à 80%, on vendra 60 vaches, clairement. On va pas remplir l'enclos à fond. Il faudra qu'on en vende de temps en temps. Faut se dire au bout de combien de mois on les vend. Parce que elles ont 29 mois, donc... On les garde combien? 60 mois. Elles sont à moitié de leur espérance de vie, quoi. Ouais, c'est pas mal. Je pense que ça peut être bien. Donc, nous, on va réfléchir. Là, je vais réfléchir avec vous. Bien sûr, j'ai fait un propre de tous les... Et on doit faire du décompactage aussi. On doit reformer tous nos champs. Ah oui, j'avais oublié ça. On va refaire, remoduler tous nos champs. Parce qu'en fait, les champs, comme j'avais dit dans les anciens épisodes, j'en avais... Voilà. J'en avais marre parce que, regardez, ils sont coupés comme ça, carrés. Et j'ai refait tout ce qui est autour des poteaux. Donc là, tous les champs, on va tout décompacter. On va commencer par le décompactage. On va commencer par le décompactage. J'ai un décompacteur 11 mètres. Soit je garde 11 mètres. 11 mètres, chose qui est déjà grand. J'ai pas plus grand, de toute façon, clairement, en décompacteur. Après, c'est du 36 mètres qui est sur King Mode, mais je vais pas prendre du 36 mètres, quoi. 11 mètres, c'est déjà pas mal. Donc ça, on se l'achète. Ça, c'est sûr. Maintenant... Celle à lisier. J'ai regardé la figueule, elle fait du 18 mètres. Elle coûte 95 000 euros. Après celle-là, ouais, on commence à monter dans le cher, hein, clairement. Après c'est soit on prend une ça avec une Sanson ou une petite Sanson, une petite... Attends. 120 000. Mais en fait la figueule, elle est bien en vrai la figueule, hein. On va prendre la figuele, les gars. On va l'acheter même. On a l'argent.
Autant prendre ce qu'on peut prendre, quoi. On va prendre le masque, on peut. Le masque. Pff, les gars, en ce moment. Hein. Moi, le langage, ça a plus. Le max qu'on peut prendre. Oh, comme ça, elle est pas mal. Manure. Il faut avoir un John Deere ou pas? Au pire, on va le mettre, frère. C'est quoi qui est vert là qui a changé? Oh, les jantes! Ouais, les jantes noires, hein. Clairement. Bon, on a augmenté un peu en prix, mais c'est pas dérangeant. Voilà. Donc, moi, je vais chercher. Faut que je vais chercher tout, du coup, tout ça au conseil. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à penser aussi? Ah oui, il faut qu'on achète une masse. Faut qu'on ait deux masses. Une pour le 700. Et une pour lui. Masse. On prend une NACO ou on prend un bumper comme ça? Sachez que moi j'aime beaucoup les bumpers. Soit on prend un bumper, soit on prend une MX. On prend deux grosses MX comme ça. Ou deux bumpers. Je sais pas. En 2,65. Allez, on se prend deux bumpers, les gars. On se fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je réfléchis en même temps parce que des fois, je sais ce que je dois dire, mais des fois. Après, ouais, j'ai refait aussi de l'aller là. Vous vous rappelez qu'il y avait la grosse bosse là qu'on se tapait tout le temps, qu'on se retournait à moitié que la benne? Normalement, il n'y a plus de problème, on se retournera plus. Merde, le Cossès. Ah, j'aurais dû prendre l'autre route. En fait, il y a deux routes pour aller au Cossès et il y en a une plus courte. Et là, j'ai pris la plus longue. M'appelle pas le gamer HD pour rien quoi. En tout cas, merci de toujours suivre cette série. Il y en a qui la suivent, il y en a qui la suivent plus spécialement. J'essaie d'être régulier. Moi, ça me fait plaisir de vous les tourner, franchement. Après, je vois que celle de la semaine dernière, bon, on a fait 26 vues en 4 jours. C'est pas ouf. On a fait largement mieux, je vais pas vous mentir. Mais bon, il y a des épisodes qui marchent, il y a des épisodes qui marchent pas. Donc voilà, c'est tout. Après, il n'y a pas marché, il n'y a pas marché. Moi, ça me. Voilà, c'est tout, hein. C'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire encore de plus? Je crois que j'ai assez parlé, en vrai. J'ai parlé plus de 10 minutes déjà. Là, on va passer sur tout ce qui est accéléré. Et parce qu'il y a beaucoup de choses à faire quand même. Parce que là, je blablabla, je blablabla, je blablabla, mais pour l'instant, je fais rien. Hein. Hop, on va prendre la première masse. Petit bumper. Je vais aller chercher le décompacteur à la main, j'ai pas le choix, désolé. C'est pas dans quel sens déjà? Dans ce sens-là, je dirais, mais. Ouais. Bon, voilà, hop. Moi, je vous fais un accéléré sur tout ça. Et voilà, tout de suite.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Donc revoilà, là on a fini tout ce qui était décompactage, et là on va partir pour du... Qu'est-ce que j'allais dire, mon gars ? On va se lancer dans... de l'épandage de lisé. On va chercher tout ce qui est cuve, etc. Là on va échanger le tracteur un petit peu. On va utiliser l'autre, parce qu'on en a trois. Donc on va se faire plaisir. On va utiliser tout ce qu'on peut utiliser. Là, il n'y a pas roulé beaucoup non plus. Mince. Je vais finir dans un mur. Hop. Et du coup, je vais chercher tout ce qui est l'épandeur, etc. Pas l'épandeur, la cuve. Et voilà, je vous fais tout ça en accéléré, comme pour le décompactage. A tout de suite. I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up, hands on my face. I learned to cope with the pain. I know that people think I'm trying to get attention, but in reality I'm trying to send a message. I know there's kids out there that are going through the same thing, and if you're one of them, I hope to help your suffering. Just know it will get better, and these feelings do not stay the same. No, they don't stay the same. I don't wanna make you feel bad, but you kinda ruined my life. You hurt me and ruined my life. And I don't wanna make you feel bad, but you kinda ruined my life. You hurt me and ruined my life. I lost a couple friends on my way up. I took a couple L's, but that's just normal talk. I popped a couple pills, but they don't do much. And now I take Prozac in the morning with some other stuff. But why did I get into this? I feel like this is all a dream. But when I wake up, look around, this isn't even make-believe. So I sit in the corner thinking back to all the memories. I grew up with these fake beliefs, by time I find a remedy. I don't wanna make you feel bad. If I should stay or be alone.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo pour l'épisode de partir de rien, donc l'épisode 23. C'est la fin de cette vidéo. On s'est mis notre récompense qui est de 90 000 euros pour le fait d'avoir une production qui a bien marché, ma foi. On a 15 palettes déjà de produits. Ça va continuer, donc voilà. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Ça dépend de l'heure que vous le regardez. Il y a eu beaucoup d'achats aussi. On a fait du lisier. Le lisier est terminé. Le dernier champ, on le fait pas parce qu'il va être mis en soja. Donc voilà, je ne trouvais pas ça judicieux parce que le soja n'a pas besoin d'engrais. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, c'est le Gamer FJ. Ciao tout le monde et on se retrouve pour le prochain épisode, donc l'épisode 24 la semaine prochaine. Bisous bisous.